rêve et je peux tu bonjour. Vous allez bien? La forme? Bah ça va être plus la forme dans une heure. C'est efficace ça ou... Ouais, c'est vraiment bien, c'est super. C'est vraiment très bien. Et tu as les fameux trucs qui permettent de préparer? Là c'est la grande pour les jus. Une centaine de litres. Ouais. Vraiment faire les jus, les grosses quantités. Les grosses... Ouais. Non, elle est vide, elle est totalement vide. Après, je peux pas la soulever. Il faut que ce soit assez hydraulique, ça marche avec le... C'est électronique pour le... La maison drapée bien sûr en rosé de saignée et en 100% pinot noir. Alors donc pour débuter le repas, quelques petites bouchées apéritives. Donc juste en haut, vous avez retrouvé une tartelette avec un bavarois saumon fumé et glaçage poireau. Au milieu, donc une panisse avec trois accompagnements. Donc tomates confites, anchois et un pesto, roquette et fromage de chèvre. Et sur l'étage du bas, vous avez retrouvé donc une petite chips soufflée de tapioca avec une crème limolette et des oignons pickles. Voilà, bonne dégustation. Pour venir poursuivre avec l'amuse-bouche de ce midi, vous allez retrouver dans le bol une salade de lentilles avec un crémeux également lentilles, quelques croûtons dessus pour venir apporter du croustillant. Sur le côté donc un tacos avec un filet mignon d'agneau au curry, quelques herbes du jardin pour venir parfumer. Et puis pour venir accompagner votre repas, donc le beurre de la maison Bordier avec la version demi-sel, également aux algues si vous préférez. Et le pain de nos voisins de la boulangerie Boulet Paris. Bonne continuation. Donc bien sûr juste ici avec le domaine Saugé sur l'appellation Cheverny millésime 2019 et juste à côté l'appellation Saumur Champigny avec le domaine Berlin. Ça va donc, c'est bon. C'est des petits pickles de graines de moutarde. Ouais, c'est sympa. En plus, ça les fait gonfler un petit peu. C'est joli dans l'assiette. Ça pète un peu en bouche. Ouais, elles sont là, si on passe. Vous récupérez un petit peu de sabayon. Oui. Verte lustrée avec le beurre demi-sel. On a également la viennoise sèche au capre pour accompagner un sabayon de chez Martin Pourri. Le sabayon, madame, plutôt. Il y a 3, il y en a 2. 3 en bas, là, de la maison. Et 6, c'est parti. Les Saint-Jacques. Saint-Jacques de Bretagne, juste snacké. Avec pour accompagner, vous allez retrouver le poireau. Ici, vraiment, le cœur du poireau, la partie la plus tendre qui est d'acquis. Avec de l'orange. Également le condiment de verre de poireau et le petit foin de poireau qui va venir accompagner votre plat. Pour la sauce, on est sur une émulsion à base de barbe de Saint-Jacques avec également l'orange et le gingembre pour apporter un petit peu de fraîcheur. Bonjour, je m'appelle Jules, second à la Caillère. Aujourd'hui, c'était notre premier vrai service et tout s'est bien passé en espérant que les clients soient heureux. Ouais.
Je prends des pouces de tagette, Franck, s'il te plaît. Bah, il en manque une, hein. Allez, trois agneaux, s'il vous plaît, messieurs. À la neuf, là. Allô ? Donc pour poursuivre, vous allez retrouver l'agneau, donc avec deux morceaux différents. Donc tout d'abord la côtelette qui est rôtie, et vous allez avoir juste dessous l'épaule qui est confite, vraiment sur une longue durée, voire quelque chose de plus tendre possible. Pour accompagner le feuille à feuille de carottes, avec des rondes de carottes, une petite pâte de date pour apporter une note sucrée. Et au niveau de la sauce, on va être sur le jus d'agneau avec le safran de Touraine. Voilà, et au milieu de la table également pour partager, vous allez avoir la purée du chef. Et je ne dépasse pas les 80 degrés, ouais. Comme ça, ça évite qu'elle jaunisse. Voilà, ouais. C'est vrai que elle a pratiquement une couleur de déshydrateur. Alors bonjour, je m'appelle Vincent De Sienne, je suis chef pâtissier à l'auberge des Caillères. J'ai commencé à 18 ans à l'auberge des Templiers à côté de Montargis. Puis après j'ai fait 10 ans en faisant des saisons. Donc ça m'a permis de voyager un petit peu. Je suis allé travailler à Bordeaux, source de Caudalie. Je suis allé travailler du côté de Nice à la réserve de Beaulieu. Je suis allé travailler aussi à Lyon avec le MOF Mathieu Vianney. Et puis après, ça m'a emmené en Bretagne où j'ai fait la connaissance de Monsieur Noailles avec qui j'ai travaillé 4 ans. On a fait le tour. La fraise de notre région, accompagnée donc d'une meringue estragon et citron, et son sorbet. Estragon également, une fraise fraîche de dégustation. J'ai ce jus licoreux juste ici qui m'apparaît avec une réduction de fraise et d'estragon. Thomas Mario, 24 ans. Fraîchement arrivé à l'auberge de la Caillère pour travailler en binôme avec Vincent en pâtisserie. C'est celui-là. Il n'y a pas beaucoup de table de droite. Donc pour finir ce repas, le pâtissier vous propose des miniatures. Sur le dessus, pardon, vous avez un chou craquelin et donc un insert chocolat dulce. Chocolat ou caramel un petit peu amande torréfiée. Donc ensuite, sur le second étage, vous avez donc un carré de pistache. Le dessous, donc biscuit pistache. Ensuite, donc une gelée cassis, mousse pistache. Et donc sur le dessus, c'est une pistache caramélisée. Et donc pour finir, vous avez un dôme passion, un dôme exotique. Donc vous avez sur un sablé un dôme ananas de morue et des fruits de la passion.